Ça va super. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, tout simplement pour la découverte saison 2. Comme d'habitude, on va faire la découverte saison 2, on va voir ça tout de suite. Donc bon, l'écran de chargement, il y a un skin sur une bombe. Un truc de... un genre de poisson, la meuf elle a une épée dessus. Bon, on va voir s'il y a des trucs qui ont changé. Paul m'a informé d'avance qu'il y a la Scar silencieuse qui est bleue et la Thompson qui était légendaire. Donc on va voir ça directement. On va acheter le passe-combat bien sûr. Et voilà, on va tout découvrir. Donc on se retrouve directement tout simplement dans le salon quoi. Ok, donc on va dans tout simplement le Battle Royale. Le petit trailer bien sûr que j'ai pas eu le temps de voir. Stylé. Petit trailer. Oh lolo. C'est trop stylé. Wesh, il y avait deux poules derrière. C'est stylé. Ok, il y a une petite moto. C'est trop stylé. Ok, il y a de l'agent secret, il y a des trucs comme ça. Bienvenue à l'agence. Nous vous attendions avec impatience. Voici votre plan. Oh là là. Achetez le pass de combat pour recruter ce groupe d'agents. Miaouskli, ce félin colossal n'est pas toujours une bonne patte. Midas. Midas. Un génie qui a de l'or dans les mains. Maya, une spécialiste que vous pouvez entièrement personnaliser. Et plus encore. Saison, accomplissez des missions pour gagner une variante inédite de vos agents du pass de combat. Fantôme ou ombre, choisissez judicieusement. Vous participerez également à des opérations temporaires qui changeront le destin de l'île pour toujours. Ouais. Votre futur commence en achetant le pass de combat. Recevez votre groupe d'agents, 1500 V-Bucks et de tous vos objets. Le futur est entre vos mains. Nous savons que vous ferez les bons choix. Bonne chance. Il y a Deadpool, frère. Il y a Deadpool. Ils ont mis Deadpool. C'est magnifique. Les gars, le meilleur trailer du monde. Marvel, à droite. C'est stylé. Franchement, c'est magnifique. Bon, en vrai, j'achète le pass de combat et j'arrive pour découvrir ça. A tout de suite. Donc. Le salon il ressemble à ça, donc en mode de jeu, ok, y a rien. Donc ok, y a ça, donc ok, on va acheter le passe combat pour voir déjà, attends, chambre d'amélioration, agent, tâche quotidienne, il est où ce, ah ok, passe de combat, c'était la porte, oh le gland. Ok, alors du coup, on va faire ça, voilà, donc on a acheté le passe combat. On a pris le 950 comme d'habitude. Donc on a lui et lui. Déjà le skin banane qui a été revisité avec un costard. Déjà. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Donc on a un émote. Donc c'est l'émote de la meuf. Ok. La traînée avec la truc. Ok. 100 V-Bucks. Le sac à dos. Ok, la musique. Ok, la musique, c'est le truc. Ok, double pioche. Ok, basique. Comment on fait pour passer sur l'autre? Ok, c'est ça. Eh, ça a changé, hein. Donc, sac à dos. Ok, pas ouf. Le planeur, pas ouf. Donc là, on a un skin. Ok, il est badass, mais il va être tarpin gros. Ouais, stylé.
Ouais, t'inquiète. Il avait pas un style différent. Style au choix. Ok, ouais. C'est lui. Ok, d'accord. C'est quoi ça? Pilonneur. Planeur. Ok, c'est un planeur. Ouf. Ok. Camo. Le camo qui a l'air simple en vrai. La petite pioche. Ok, pas mal. Ok. Ok. Ok, encore la banane. Ok, le truc boom. Ok, c'est le truc du... Stylé la danse. Ok, elle qui est là. Ok, d'accord. Là, j'essaie d'aller vite, hein, parce que bon, voilà. La pioche, ok, pas ouf. Ah, ok, c'est ça. C'est ça le sac à dos que j'ai vu sur Insta, d'accord. Ok, d'accord, nickel. Bon, ça, oh là là, c'est la double pioche. On dirait qu'elle a été revisitée du mec avec la boule de billard. Pas mal, ça c'est stylé. Oh, planeur. Je l'aime bien le planeur. Il est stylé, ça j'aime bien. Ok, d'accord. Ça c'est la danse du chat. Stylé, stylé. Le chat qui est là. Boum. Ok, pas mal. J'aime bien. On verra s'il est gros ou pas. Le camo, pas mal aussi. Ça, c'est un planeur. Ok, le planeur, pas mal aussi. Le sac à dos, lui, il est bien. Il risque d'être gros. Pas mal. Double épée, pas mal. J'aime pas trop les skins double pioche. Enfin, les skins double pioche. Les doubles pioches tout court en fait, je sais pas pourquoi je dis skin. Pas mal. Les planeurs comme ça j'aime pas trop. Encore la banane, bien sûr. Ok. Elle est pas mal, on dirait Zelda s'il te plaît. C'est quoi ça? Pas mal, j'aime bien. Ça c'est stylé comme danse. Ok, le planeur j'aime pas. La traînée simple. La pioche pas mal. Là cette pioche elle est pas mal aussi. Ok, sac à dos plutôt simple avec un couteau. Attends, c'est quoi ça? Ok, c'est un icône. Pas mal le camo, j'aime bien. J'ai raté une danse. Pas mal. Et le palier 100 qui est là. Ok. Bon. Passe de combat pas ouf 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 en vrai. Du coup, bah on va essayer de voir découvrir le maximum de choses. VS bientôt. Ok. C'est quoi ça? On sait pas. Chambre d'amélioration. Ok, il y a pas mal de choses. Ça je verrai dans la prochaine truc. Fouiller des coffres ou des boîtes de munitions. Donc ça c'est les défis. C'est défi quotidien du coup. Agent. Donc c'est tous les agents. Ok, pas mal. Donc là jusque là, bah, on a ça et ça. On dirait un peu la meuf un peu Tomb Raider, tu sais. Elle a une P90 cache, d'accord. J'ai gardé mon petit skin en vrai. Ok. Ils ont pas mis tant de choses. Ok, bon bah on va partir en game directement. Voir tout simplement si la map a changé. Du coup on va partir en game, voir si la map a changé, si on peut trouver d'autres armes, genre la SCAR bleue ou la PM, j'allais dire. La batteuse, la Thompson à tambour. Donc on va voir aussi. Et je pense qu'il y a d'autres choses, il y a le minigun aussi qui a été remis.
Il y avait une image sur Insta comme quoi il y avait la dynamite qui allait revenir aussi. Donc on va voir tout ça, on va voir tout ça. Et voilà, genre je pense que on a découvert assez de choses sur cette vidéo pour pas faire une vidéo trop longue bien sûr, parce que bon voilà, vidéo de 30 minutes pour découvrir la saison, voilà. Donc j'essaye de faire le maximum. Le maximum pour aller vite, vous voyez, genre c'est pour pas faire 100 ans. Allez, la game. Donc la pro. Ok, l'île au milieu, elle a changé. Il y a un truc là-bas. Il y a une île là-bas en plus. Il y a un truc en bas là. Il y a encore là. Ouais, donc il y a quelques trucs qui ont été rajoutés, mais sinon dans l'ensemble c'est la même map. Donc ça va. Je vais essayer d'aller découvrir la map là-bas. La petite île là, il y a une petite usine on dirait. Donc il y a des petits endroits qui ont été rajoutés dans la map. Donc ça va. Il n'y a pas la map qui a changé de fou ou quoi, genre. Atterrir au phare à la villa des guerrières et au Mankei. Ok, il y a déjà des défis quoi, d'accord. Éliminer des adversaires en ayant au moins 100 PV ou points de bouclier. Ok. Ok, il y a un mec. Bon, je pense mourir au spawn les gars, mais ouais, c'est juste pour découvrir les endroits. J'irai voir ça en créa ou quoi, genre. En tout cas, la villa, pas mal, hein. C'est stylé. Ok, il y a des bots carrément comme ça. C'est quoi ça? Ok.
Bon, jusque là c'est plutôt pas mal. Par contre la musique c'est un peu chiant. On va chercher ça. Je m'en fous de mourir de la zone, je vous le dis. Je veux juste voir ce que c'est le... Magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ça, frère. J'ai fait un carnage, j'ai tué plein de bots, j'ai tué au moins 3 mecs dans la villa et j'ai qu'un kill. J'adore. J'ai fait un carnage mais j'ai qu'un kill. C'est n'importe quoi. Ils ont enlevé la truc. Non, ils ont pas enlevé, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui l'a détruite. Regarde, il y a les caisses. La zone est plutôt loin, donc on va jouer à... On va éviter de les jouer maintenant. Ah, il est buté. Jetons.
Donc les potes, à la saison 1, donc du chapitre 2, j'étais niveau actuellement, j'ai atteint le niveau 402. Donc au final, je pense pas refaire la même, je suis level 4 déjà. Mais je pense pas la tuer comme avant, mais en tout cas, bien avoir au moins le pass de combat en entier, ça c'est sûr. Mais sinon voilà, je vais pas tuer la saison comme je l'ai fait pour la saison 1. Parce que niveau 402, ouais, je l'ai tué littéralement. J'ai essayé de jouer en face directement. Je vais essayer de me caler en face. De toute façon, je dois bouger. Oh, je dois aller là-bas. Bon, en vrai, j'ai fait un bon spawn. Mec à craguer. Ok, il y a des mecs là-bas. Oh, on est plus cuite. Ok. Je vais choper une hauteur. Ouais, je vais passer par derrière. Et je vais me mettre là-haut. Bon, j'ai que, on va dire, 100 balles derrière. Donc ça va être short. Mais en fait, je veux poser le canon à bandage. Donc trouver autre chose pour celui-là. Genre, au moins j'ai des mini et tout, tu vois. Frère, les spawns d'armes maintenant, c'est un coffre le truc en fait. Il y a un mec qui est mort. C'est quoi tous ces bottes?
Ouais, attends, en fait, je me mets dans le bush juste pour voir la rotate où je vais la faire. Bon, je vais me mettre juste là en fait. Ok, y'a un mec dedans, tu peux pas casser pour voir s'il y a un mec dedans en fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tu t'écris où toi? C'est obligé qu'il y ait un mec à gauche. Mais gros les gars, regardez comme il... Regardez mec comme... Mais gros c'est une team de tournoi gros s'il te plaît. Ouais. On est plus que 7 encore. Alors que les mecs tryhardent sa mère. Ouais, mais il met un laser de PD là aussi. Avec sa hausse de merde. Ça bulle de paf là. Oh, il a fini. Oh, t'as fini, oui. Et voilà, maintenant qu'il me rush lui. Oh mais nique sa mère, il me one shot en plus frère. Bon, bah désolé pour cette game catastrophique face à des mecs qui se croient en tournoi, clairement. Parce que regardez-moi ça frère, les mecs qui font des extends et ils se croient en tournoi, c'est n'importe quoi. Donc désolé pour cette game exécrable en tout cas. Ben voilà, on a regardé le pass de combat. On a découvert des endroits de la map qu'il y avait avant, mais il y a des bots. Donc bon, il y a des bots en fait partout. Mais c'est pas le même système de bots qu'il y avait à la saison 1 où on dirait un mec normal alors que là bah, c'est en fait des agents à des endroits, enfin bref j'ai pas trop compris. Donc bon, il y a des bots de partout, des mecs qui tryhardent leur mère, donc bon voilà. Et donc bah là je crois que je suis niveau 4 ou je sais pas combien. Ouais, bah j'ai eu tout ça déjà. Bah GG. Donc au final je suis niveau 5 déjà. Donc les gars, voilà, je vais vous laisser sur ça. Découvrez bien la saison 2. Tout ça pour essayer d'avoir le maximum de choses, tout ça. Et moi je vous laisse sur ça. C'était la même scooter. Ciao tout le monde.